Facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals happen everywhere. Et voilà, nous voici pour cette deuxième journée donc à Walt Disney Studios. Donc il fait beaucoup plus froid qu'hier. Là, on a 60 minutes d'annoncer en file d'attente. On s'est réveillé un peu trop tard ce matin parce qu'on avait envie un peu de profiter aussi de la matinée à Davy Croquette, boire un petit café tranquille. Donc voilà, donc c'est parti, donc on va aller faire Crush's Coaster tout de suite, donc du constructeur Moser. Donc c'est parti, let's go. À mon vieux copain Woody, je suis votre ami Buzz Lightyear, ranger de l'espace. Donc là on arrive sur Toy Story Playland. Greetings fellow toys, I'm Buzz Lightyear. Everything is assembled and ready for maximum fun. Donc ici il y aura l'attraction de parachute juste là. Le parachute des soldats. Vous êtes assis dans des nacelles et après vous montez, vous descendez. Bon, c'est pas très sensationnel, mais c'est quand même à faire apparemment. Je l'ai jamais fait encore à Disney. Après vous avez ce Sleeping Dog. Donc zigzag, c'est une petite attraction pour les petits. Il y a vraiment une zone très pour les petits ici, hein. À part le RC Racer qui est là-bas derrière. Le RC Racer que vous avez là-bas derrière et donc du constructeur Mack Rides. vais vous montrer un petit secret. Donc là on est devant l'attraction. Vous pouvez remarquer la manivelle qui est juste là, la manivelle de la voiture téléguidée, et elle se met en route quand le train démarre en fait. Donc c'est un petit secret, voilà. Ratatouille, donc la place de Paris dans le dessin animé Pixar. Vous la retrouvez aussi sur Planet Coaster, celle-là je l'ai trouvée. Avec sa boutique sur la droite et le restaurant de chez Rémi à gauche. Donc, Ratatouille, un dark ride, pas interactif, mais un dark ride où on monte dans des souris avec des lunettes. Et voilà quoi, donc on est rétréci à la taille d'une souris, avec des écrans, beaucoup d'écrans. Mais bon, ça reste sympa à faire quand même. Voilà, là on est sorti de l'attraction Ratatouille et comme vous pouvez voir, un petit secret encore, les carreaux par terre où on marche, ils sont grands, comme si on était à la taille de la souris. Et là, dès qu'on avance, hop, ça passe directement en petit carreau, comme si on devenait à la taille humaine. Donc voilà, un petit secret en plus dans Ratatouille si vous ne le connaissez pas. Cheating on her in her dream. Lord, it wasn't a thing I could do or say to change her mind in any way. She told me that things was gonna change. hell had I been? Donc là on va arriver sur l'attraction web, donc un dark ride interactif, c'est basé sur Spider-Man. On va devoir tirer avec nos mains pour faire comme si on tissait des toiles pour tirer sur des Spider-bots, qu'on appelle ça. Oui, c'est des petites araignées en forme de Spider-Man. Donc c'est parti, on va aller le faire, ça va être une nouveauté, une grande nouveauté pour moi. Bonjour. Pensez-vous de cette entrée ouais, pour moi, l'entrée est belle ou pas? Mon chartisio, si, mais on s'en fout, tu comprends? Hein? Tu fumais vraiment? Bah, comment tu pouvais être aussi. T'étais prêt? Non. Ouais. T'as coupé? Non, on s'en fout, tu comprends? Voilà. Et voici notre chef de projet. Oh! Peter Parker! Comment ça va? Je suis Peter Parker. Ici, chez Web, on a accès à une super technologie, comme le vibranium du Wakanda ou ce fluide extraterrestre dément. On a des particules de pile et StarTech. Ça nous permet de développer des trucs incroyables, comme ces petits Spider-bots, par exemple. Regardez, c'est super, ils peuvent même se dupliquer tout seuls. Se dupliquer tout seuls? Parce qu'ils sont incroyables. Petit, arrête de faire ça, c'est bon. Mais si vous êtes là, c'est pour nous aider à tester le nouveau véhicule Singer. Grâce à son processeur, vous lancerez vos propres toiles d'araignée, comme mon pote Spider-Man. Peter, ta présentation est en train de t'échapper. Oui, ça va, chérie, et je te serais reconnaissant de lancer immédiatement le protocole. Peter, il y a un petit problème. Enfin, si vous voulez lancer une toile, c'est simple comme toujours. Vous tendez juste les bras dans la direction que vous voulez, et le tour est lancé, c'est cool. Peter, les Spider-Bots continuent de se répliquer et ils dévorent tout ce qu'ils trouvent sur leur passage. Salut, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un problème de rapide? Je vais vous aider. Tu vois, super. Le risque est atteint de niveau danger exponentiel. Tu as peut-être besoin d'aide. Et si j'appelle les managers? Pas de panique, les amis. Je vais régler ça. Ok, la journée porte ouverte est annulée. Are you okay? Je crois que j'ai besoin d'aide. C'est moins compliqué. Chérie, prépare les véhicules Sneakers. C'est comme si c'était tech. Allez, tous vers les Sneakers et on fera équipe pour empêcher les Spider-Bots de détruire le campus. C'est un jeu d'enfant. Okay, we have a plan. Back to the stage. Will be next. So stay safe and remain seated on your Stinger vehicle. With your hands, arms, feet, and legs inside the transport at all times. And please supervise your children. Pas de temps à perdre. Les Spider-Bots se dirigent vers l'entrepôt. Nous devons les arrêter avant qu'ils envahissent le campus. There is no time to waste. Spider-Bots are heading towards the warehouse. Everyone be cool. Utilisez toutes les places disponibles dans le véhicule. Asseyez-vous et mettez ces lunettes de ciblage Web Vision. Nous avons des Spider-Bots entre nous. You know the drill. Watch your step as you enter into the vehicle. Take a seat and get on the Web Vision targeting glasses. They'll help you find all those random Spider-Bots. sur ma tête, c'est ce qu'elle dit. Non, mais je vous avais expliqué là, tu pleures sinon. C'est terrible. Alors, non, on verra après. Bah, disons que vous avez sauvé le monde, mais sans les paillettes, sans la classe, sans ce qui va avec. Ah, on aura essayé au moins. Mais c'est déjà bien, c'est déjà pas mal. Tiens, allez. Voilà, on est sorti de Web, voilà, superbe attraction, rien à dire sur ça. Les gestes qu'on fait avec les mains sont vraiment précis au niveau des écrans, c'est beau, c'est confortable, tout. Donc voilà, donc maintenant on va continuer. Moi j'ai pas été déçu, Pierre non plus, mon frère. Donc c'est parti, let's go, on va aller faire une autre attraction. Bon, c'est parti maintenant pour Stitch Live. Donc Stitch Live qui est un cinéma avec Stitch qui nous parle en face de nous. On a vraiment l'impression qu'il nous parle. En fait, il est devant un écran et il réagit avec nous simultanément sur un film qui est toujours à peu près le même. Il est très très sympa. Allez vite le faire parce que je ne sais pas s'il va rester très longtemps celui-là encore. Je pensais vraiment qu'il allait fermer ses portes et il est encore présent. Donc vraiment, si vous êtes fan de Stitch, foncez le faire parce que vraiment c'est très très bien, même pour les petits. Stitch. Je m'appelle Stitch. Aloha. Mais quand Stitch dit Aloha, tout le monde crie Aloha. Aloha. Il y en a du monde ici. Ah, toi, la petite fille, au premier rang avec tes cheveux longs et ta veste verte, comment tu t'appelles? Emma. Oh, c'est joli ça. Et c'est qui à côté de toi? Mon petit frère. Salut petit frère. Comment tu t'appelles? Léo. Et t'es venu avec qui? Mon papa et ma maman. Ton père et ta mère? Oh, lève la main, papa. Aloha, papa. Aloha. Comment tu t'appelles? Frédéric. Et tu viens d'où, Frédéric? On vient de Paris. Paris? Ouais, Paris! Ouais, Paris, Paris! Ouais! Jamais entendu parler. Bon, Frédéric, je vais avoir besoin de ton aide. En fait, je vais avoir besoin de l'aide de tout le monde. Qui a envie de conduire mon vaisseau spatial? Levez la main. Vous allez voir. Pour faire avancer le vaisseau très vite, il faut crier très fort. Stitch, je t'aime. À 3. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Stitch, je t'aime. Merci. Moi aussi, je m'aime. En fait, le vrai mot de passe, c'est qu'il faut crier vitesse lumière. À 3, vous êtes prêts? 1, 2, 3. Vitesse lumière! Un autre petit secret par là-bas, au niveau du carnet de la réception, c'est pas les noms des clients qu'on retrouve de l'hôtel, en fait c'est tous des noms de Imagineering, donc ceux qui ont travaillé sur les attractions de Disney. Donc voilà un petit secret en plus. Mesdames et messieurs, regardez vos mains, montez de jambes à l'intérieur de l'ascenseur. sur le tapis on the carpet. La carpette. Allons sur la carpette. Veuillez récupérer vos effets personnels et sortir prudemment de l'ascenseur. Et nous espérons que votre séjour Hollywood Tower Hotel aura été agréable. Qui est en réhabilitation en ce moment. Il rouvre pour avril, donc ça va pas tarder à rouvrir. Ça fait un petit moment qu'il est fermé maintenant, ça fait au moins presque un an. Et là, il rouvre pour avril, début avril directement. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui ont changé au niveau des couleurs. Je suis pas sûr, mais je sais pas. Voilà, maintenant on arrive sur le land de Frontierland, sur Big Thunder Mountain qu'on n'a pas eu l'occasion de faire hier parce qu'il y avait du monde. Donc c'est un train Vekoma, du constructeur Vekoma. Et donc on va aller le faire tout de suite. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde. On n'est pas encore devant l'entrée, donc on va aller voir ça tout de suite. C'est parti! up. She was looking at me. She told me I've been cheating on her in her dream. Lord, it wasn't a thing I could do or say to change her mind in any way. She told me that things was gonna change. If I wanted her, I couldn't stay the same. So I stopped going down on Friday night. I stopped drinking with the boys. Yeah, everything she asked left in the past, just to try to bring her joy. Qu'avez-vous pensé de ce plan? Superbe plan. Je vais finir par te prendre pour caméraman. Sensation forte. C'est le train de la mine le plus dingue de l'Ouest. Sensation forte garantie. Ça c'est une jolie poubelle. Et très belle. De l'Ouest, on va se retrouver maintenant sur Blanche-Neige, donc un dark ride, hein, bien connu de Disneyland Paris, très vieux. Allez, c'est parti, let's go. bah voilà, nous voici arrivés à la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo elle vous aura plu. On vient de finir notre séjour sur Disney, là, le deuxième jour. Donc sur ce, je vous laisse, je vous fais des gros bisous. Et à la prochaine pour des nouvelles vidéos pour Planet Coaster ou dans les parcs. Allez, gros bisous.